bien sûr tout le monde de SexVSK en compagnie de notre Nami Paramouligou. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour du El Diabolo Reapers of Souls. Bêta, on insiste sur la bêta, hein, parce que oui le jeu ne sort que fin mars. Ouais, le 25 quoi. Fin mars, donc c'est édité et développé par Blizzard Entertainment. Et donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est Diablo. Mais on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo sur cette bêta. Et surtout avec... Ce nouveau mode. Le nouveau mode qu'on va vous présenter ici. Mais avant de vous le présenter, parce que ça s'appelle le Bounty, donc le mode aventure. En français, je pense que ça sera. Et ben on va aussi vous montrer un peu les changements qui ont été apportés. Enfin du moins, pas les changements, mais plutôt les ajouts. C'est ça, ouais. Ce qui a été ajouté au jeu... Donc moi, je te propose de commencer par le plus marrant, c'est-à-dire le transmogrificateur et l'enchanteur. C'est-à-dire Myriam. Et qui est la naine aux gros, boobs. Ouais, voilà, la même. Putain, c'est vrai que sacrée paire de boobs, juste tiltée. Bref, donc ben voilà, ben, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à votre expérience de jeu? Et ben globalement, si je trouve un stuff que je peux enchanter, imaginons mon bouclier. Je veux l'enchanter, je le place ici, et vous voulez voir que j'ai 4 affixes qui apparaissent donc sur la possibilité de changement. Donc là vous pouvez voir que j'ai la force, la vitalité, l'armure et les gold en plus sur les mobs. Et imaginons que je veuille changer cette affixe là sur justement ce trop plein de gold, que je veux une stat peut-être plus intéressante, et ben je clique sur le petit point d'interrogation, et là vous voyez le nombre de propriétés possibles justement grâce à l'enchantement. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un bon paquet. C'est un peu chiant parce que justement du fait que ça va générer une de ces stats ici aléatoirement, bah vous ne savez pas ce que vous aurez à l'avance. Par exemple, si je clique, que je lui dis oui, et ben voilà, il me dit quoi? Il me donne plus 100 de résistance au froid. Mais c'est quoi? C'est sur quelle propriété que t'as changé déjà de base? L'or. D'accord, mais c'était pas sur une stat que tu voulais. C'était pas sur un stuff à toi là? Si, c'était sur un stuff à moi. Ah, tu t'en fous? Bah, je m'en fous, mec. Ah, complet. Ah, parce que complet. Moi, tu m'as fait flipper parce que moi, non, mec, si je change des stats, là, franchement, ça va partir en vrille. Mais ouais, c'est vrai que c'est totalement géré aléatoirement et la ressource qui est demandée pour les légendaires, c'est assez dur à trouver. Quand vous cherchez un peu de coups critiques ou de DCC et tout, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Mais après, quand vous tombez sur la bonne stat... J'ai l'impression que, en fait, pour changer... Enfin, déjà, vous voyez que là, par exemple, je me suis dit la stat, c'est pas intéressante. Bah, si je viens mon bouclier, donc du truc, et que je veux le remettre, et bah, là, vous voyez qu'en fait, la seule stat que je peux enchanter, et bah, c'est justement ces gold. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enchanté ça, je crois qu'on peut pas en faire non, plus. Non, non, hein. Bah, ça serait trop cheaté, mec, ça serait trop abusé. On pourrait changer toutes nos stats, essayer d'avoir chaque stat super OP. Exact. C'est vrai que ça serait trop cheaté. Donc à la place de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, on peut changer qu'une seule stat, donc de préférence une stat qui ne vous sert à rien. Bon, vous allez me dire, être riche, c'est pas ce qui sert, le moins. mais franchement, moi je trouve que c'est bien parce que des fois ça arrive que même sur Vanilla, en fait, sur Diablo, on est par exemple deux stats qui étaient bien. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une amulette ou qui demande beaucoup d'attaque speed, des dommages de coups critiques et des chances de coups critiques. Souvent on avait que deux stats. Du coup maintenant on peut essayer d'enlever une stat qui serve à rien, par exemple, pas qui serve à rien, mais plus 10 de life, plus 10 de pourcentage de life, pour essayer de mettre une stat qui sert plus et qui peut vous EP. Donc franchement, moi je trouve ça intéressant. Après, c'est bien aussi, moi je trouve que c'est bien qu'on puisse changer qu'une stat, ou sinon ça aurait été trop abusé et je pense pas qu'ils auraient fait ça, quoi. Ouais, d'ailleurs je te propose de montrer la transmogrification sur les objets collector. ouais, pas mal du tout. Donc là, justement, on va vous montrer un peu justement ce que propose le bundle édition Deluxe. C'est ça. Et vous pouvez, donc normalement, je crois que c'est le casque et les armes uniquement. Si en fait, c'est ça, ouais. Tu as trois casques. Tu as Infernal M. Ouais, l'Infernal M qui est le casque de précommande pour ceux qui ont précommandé la version console de Diablo 3 à l'époque. Je crois que c'est le même skin. Hein. On a le masque de mort. Donc, ouais, le Death Mask. Ouais. On croirait que le mec il est en train de fumer sous son casque, hein, mais on dira rien. Et Hallowed. Je crois que c'est le masque des damnés, ça, Hallowed. Je sais pas. En tout cas, c'est lui que j'avais mis sur ton croisé à un moment et je trouvais qu'il était super stylé. Ouais. Ouais. Bon, après, moi avec ma fétichesse, ça passe pas trop bien, mais. avec la fétichesse, il y a que les trucs voilà, Kratos qui passent avec un la fétichesse. Justement ce que ça proposera en bundle. Je sais pas si je peux vous montrer sur les armes. Attends.
Là, en fait, Non, je ce peux que pas. t'es en train de vous montrer, si vous n'avez pas compris, c'est que sur tous les skins, vous pouvez changer tous les skins de vos masques, de vos casques, en fait. Vous pouvez Ce qu'on prendre pouvait n'importe pas quel. avant Diablo 3 parce que vous disiez vous tapez un skin au final dégueulasse parce que voilà quoi, Mais c'était ça dépendait pas. de la stat du stuff que vous avez besoin. C'est vrai que c'était un petit peu à chier, quoi. Mais souvent, on vous retrouve avec Mais des items qui étaient maintenant on puants. peut tout transmogrifier. Et pour monter, pour voir cette transmogrification, bah vous devrez débloquer ce personnage, Myriane, qui n'apparaît que dans le début de l'acte 5. Je pense qu'après 30 minutes, vous le débloquerez très facilement. C'est pas le personnage le plus difficile à débloquer. Et après, bah faudra l'entraîner, hein, faudra l'entraîner parce que sinon, C'est bah ça. je sais pas. Imaginons que je prenne cette épée, et ben par exemple, vous aurez juste les quatre premiers trucs. Et en fait, si vous voulez débloquer plus de skins, et ben il faudra l'entraîner ou alors découvrir des légendaires que vous devrez donc lier à vous, hein, c'est-à-dire Looter. découvrir les stats. Ouais, si vous Et à ce lootez un moment-là. légendaire, vous pouvez directement avoir le skin sur Myriam en fait. Donc voilà, donc le seul moyen d'avoir des skins, c'est soit de la monter à fond, comme on a fait ici, ou soit de découvrir des légendaires qui vous permettront justement d'avoir des skins. C'est ça, en plus en fait. Il faut monter le level sur tous les PNJ, que ce soit le forgeron, que ce soit aussi au niveau des gemmes, je me rappelle plus, la joaillerie et Myriam, la mystique. Il faut que vous montez maintenant au level 12. Vous avez quand même pas mal d'objets qui sont déjà découverts, mais tous les légendaires sont à découvrir vous-même. Vous les looterez dans la partie et à chaque fois vous lootez un légendaire. Vous pourrez ensuite l'avoir disponible chez Myriam. D'ailleurs, un petit truc que je te disais hier. Chez Myriam. Chez la mystique, ouais, je dis Myriam. Non, C'est je sais pas, que. ça fait un peu comme le joueur du grenier avec le Zazen Kebab. Je sais pas, je regarde pas du tout, je sais pas ce que c'est. Mais. Ça y est, c'est la pub. Ce que je disais à Aix hier, c'est que la plus grosse nouveauté aussi sur le jeu, ça va peut-être en faire, ça va faire grincer des dents et peut-être ça va en réjouir de plus d'un, c'est que tous les légendaires sont liés au compte. Donc je m'explique, quand vous lootez un légendaire, vous avez, si vous l'équipez déjà, si vous équipez le légendaire direct, il est lié à votre compte, donc vous ne pourrez plus le passer à n'importe qui. Par contre, si vous lootez un légendaire, que vous ne l'avez pas équipé, en fait en bas de la partie, j'espère qu'on en trouvera un. J'espère qu'on On en trouvera verra, un. Ouais, on là, ben verra. d'ailleurs, moi j'en ai un là sur moi. Vous pouvez voir tout en bas de la stat, tout en bas, il y a marqué que j'ai joué. En fait, les légendaires sont liés à la partie avec les personnes avec qui vous jouez en fait. Hier, moi j'ai joué avec un collègue qui s'appelle Balthazar. Et du coup, cet objet il est lié à nous deux pendant 2 heures. Et vous avez un chrono, là vous voyez qu'il reste 14 minutes et 20 secondes qui défilent en fait. Donc, si pendant ces 14 minutes je lui passe pas le légendaire, mais il sera lié à mon compte ou vice versa s'il en a besoin, je peux lui passer. Mais il faut pas l'équiper. Si vous l'équipez, c'est lié à vous et après c'est mort. Donc, ce qui est bien, c'est que dès que vous lootez légendaire pour avoir un maximum de skins chez la mystique, c'est que vous lâchez le légendaire directement au sol pour que la personne, votre collègue, le récupère. Ah, j'arrive pas à Et ouais, récupérer, parce c'est qu'il lié est au lié. compte! Et oui, parce que tu n'étais pas dans ma partie avec moi. Et pour que la personne le récupère et que en fait vous passez les skins comme ça et comme ça vous montez pas mal la mystique. Petite nouveauté aussi, vous avez pu vous apercevoir que maintenant les pièces de set sont avec des faisceaux verts, ce qui n'était pas avant. Donc c'est un petit truc aussi pas mal du tout. Et là, vas-y, Moi, vous ben pouvez voir. comment? Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Aussi le nouveau système de Paragon. Ouais. Parce que oui, c'est très important de voir ce nouveau système de Paragon. Parce que dans Diablo 3, eh ben, c'était un système avec des stats fixes en gros. Hein. Donc à chaque fois que vous gagnez un niveau de Paragon, vous gagnez X points en force, en dextérité, en Tout à intelligence, en fait. vitalité. Et vous gagnez aussi 3% de gold et 3% de magic find à chaque level gagné. C'est Maintenant, ça. ça a changé. C'est-à-dire que si vous regardez ici, en fait, maintenant le paragon est réparti entre 4 branches de talents qui contiennent chacune donc 4 sous-branches que vous pourrez justement améliorer avec ces points de paragon que vous gagnez. Parce qu'à chaque fois que. Je sais pas combien c'est de points par paragon de gagner. Je sais pas, je sais, tout ce que je sais c'est que normalement les stats devraient être remplis à bloc. En fait, on devrait être au max quand on sera paragon 800. Ah ouais, quand même. Ils ont Ouais, vu gros quoi. donc. Donc vous voyez là, j'ai tout reset, donc j'ai qu'avec mon paragon 58, et eh ben j'ai 15, 15, 14, 14. Et si je veux, là par exemple, je peux dire que bah je vais augmenter mon maximum de vitesse de mouvement. En offense, par exemple, ma vitesse d'attaque. Et vous voyez que c'est vraiment minime hein, ce qu'on rajoute. Hein. Là j'ai à C'est peine vraiment minime, mais c'est vrai 3% que avec 15 points. c'est un ajout, je trouve, important, moi, sur le stuff. Parce que c'est vrai que sur certaines pièces de stuff, des fois, c'est un apport qui est. Moi, je le sens. Je commence à le sentir. Là, j'ai 46 points.
Je commence quand même un petit peu à le sentir au niveau des déplacements ou même au niveau de la mana. Ça dépend tout où vous mettez vraiment vos points. Ouais, ça a son utilité. Et je pense que dès qu'on arrive dans les paragons 300 ou 400, ça commence vraiment à être très très fat. Ouais. Donc là, pour le moment, on vous a présenté ça. Le mode aventure. Ah oui, on a oublié de dire que maintenant les paragons sont liés entre tous les personnages, c'est-à-dire que Tout à fait. dans Diablo 3, eh ben, quand vous aviez un personnage paragon 100, bah, si vous vouliez avoir une autre classe paragon 100, eh ben, il fallait la monter paragon 100 elle aussi. Eh ben, maintenant c'est terminé en fait, tous les paragons sont liés entre tous les persos, c'est-à-dire que là par exemple sur mon compte officiel, bah, j'avais un paragon, je crois que c'était 46 et un paragon 30, et bah au total j'ai 58 de paragons sur tous mes personnages sur la bêta quoi. C'est ça. Non mais c'est ça, c'est ça. T'as tout bien résumé, mec. Donc en Voilà, fait, je t'ai tout est bien lié au résumé. compte. Ouais, tout est lié au compte. Vous aurez plus à passer maintenant. C'est vrai que les paragons, il y a beaucoup de gens qui se disaient comment ça va se passer et tout. D'ailleurs, on attend impatiemment la 2.0 Moi, ce sur que j'attends Vanilla. surtout, c'est. Bah oui, parce qu'il faudra le dire aussi, c'est que c'est la fermeture de l'hôtel des ventes. Ouais. Il n'y a plus d'hôtel des ventes sur Reaper of Souls. Ça, c'est un truc, c'est un gros point sur le jeu et. Maintenant, ça va peut-être plaire à certains, ça va peut-être déplaire à d'autres. C'est vrai que pour ceux qui ne voulaient pas se prendre la tête à chercher le meilleur stuff possible ever, ils pouvaient passer par l'hôtel des ventes s'ils avaient les sous. C'est ça. Et donc, bon. Moi, je trouve personnellement que c'est pas trop dans l'esprit de ce genre de jeu, parce que ce genre de jeu, c'est un jeu de farming, hein. C'est un jeu où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps à refaire et à refaire les mêmes choses jusqu'à tomber jusqu'au stuff ultime. C'est ça. T'as de belles jambes d'ailleurs, toi. Mais non, mais c'est vrai que. Et je tiens à signaler aussi que l'hôtel des ventes a fermé, mais les loots sont plus conséquents. C'est ce qu'on voulait, vraiment, franchement. Là, on voit que ça commence vraiment. Moi, je sais qu'à mon niveau, je commence vraiment à looter des trucs très importants. Et franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup plus de loot. Je me rappelle, je crois que pour un loot qui tombait sur Vanilla, je crois que là, ils l'ont multiplié par 2 ou 3. Du coup, il y a pas mal plus de légendaires qui tombent. Et moi personnellement je trouve que c'est mieux. Après je vous dis, c'est vous. C'est vrai que si vous préférez acheter votre stuff, j'en connaissais moi pas mal de gens qui arrivaient, qui mettaient des sous dedans et qui connaissaient même pas le jeu. Mais après c'est un jeu de farmer. Il faut jouer. Et puis au bout d'un moment vous tomberez sur le bon item. Bref, je pense que le topo explication est fait parce que ça fait 13 minutes qu'on papote et on n'a même pas été taper un mob. Donc le mode aventure, ça consiste à quoi en fait? On se retrouve que on se retrouve sur la Monte map. la map. Ouais, monte la map. Ouais, je Et vous montre la map voyez, juste. vous avez tous les actes qui s'affichent. Donc imaginons qu'on veut aller à acte 1. Et là, vous voyez qu'il y a des mini-quêtes qui apparaissent, soit des quêtes, soit des boss à tuer. Et en fait, si on fait les quêtes de cet acte, les 5 quêtes, eh ben, on reçoit un Noradric Cache. C'est Donc, ça. c'est une petite valise qui contient loot, objets de craft, tout ça, tout ça. Et plus votre niveau de difficulté est élevé, plus le cadeau sera conséquent, en gros. C'est ça, mais c'est plus au niveau du gold, des gold aussi, parce que tu l'ouvres ton paquet en normal ou en T6, ça sera la même. En fait, ça dépend vraiment de ton Magic Find et ça sera plus en fait si tu l'ouvres en tournoi de 6, ça tu auras plus d'argent, je pense, qu'autre chose. Moi, j'ai testé un petit peu de partout et c'est vrai que. D'ailleurs, on l'a pas signalé, mais maintenant c'est fini le coup du passer niveau 20 pour passer en mode enfer, passer niveau 20 pour C'est passer en vrai. mode cauchemar, passer niveau 40 pour passer en mode enfer et passer niveau 50 pour passer en mode Armageddon. Ça c'est fini maintenant, c'est vous qui décidez. Même si vous êtes niveau 1, vous pouvez aller directement en mode de torment Oui, niveau oui. 25 s'il le faut, vous ferez dégommer, mais bon voilà, maintenant il Non, n'y a plus ça. en fait, c'est lié. En fait, les monstres. Le niveau des monstres est lié à votre personnage, en fait. Par exemple, là, nous, on s'est mis en expert. Ah, Pour parce que moi Hex. j'encaisse mal. Voilà, on s'est mis en expert pour Hex, mais c'est Hex qui a lancé la partie. Donc vous voyez en haut à droite, juste en dessous de Bastion, Ouais, on est juste en ici, vous expert voyez. level 65. C'est parce qu'on est sur la partie de Hex. Et du coup, les monstres en fait auront le niveau de vie de Hex. Du coup, ça change. Vous pouvez vous mettre en tourment. Vous êtes 1, vous pouvez vous Parce que mettre en je suis une tourment. pucelle fragile. Et vous aurez les mobs qui seront de votre level en fait. Plus vous allez monter de level. Ce qui est bien aussi, c'est que moi je sais que j'ai monté mon personnage, mon croisé, de 0 jusqu'à 56 ou 57 en faisant que les 5 actes. Sans refaire le jeu 3 ou 4 fois en fait. Du coup, ben, moi je trouve que c'est plus plaisant. Tu n'as pas à Allez, refaire. moi je te propose qu'on aille à l'acte 1. Vas-y. On va aller dans les champs de la misère. Je sens que je vais laguer, mais c'est pas grave. Oh Mais bah non. j'arrive, il y a déjà des mobs, c'est cool.
Donc tu devrais dire que tu joues avec le croisé, mec, c'est important. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, regardez le beau mob qui m'accompagne. Ah, il est beau, hein. C'est mon Alors, copain. ce qui est la grande nouveauté aussi sur le jeu, c'est qu'il y a pas mal d'affixes sur les armes. Les affixes, c'est ce qui donne vraiment, vraiment. C'est vrai qu'il me fait délirer ton diable qui se court après. Ça donne vraiment des affixes énormes. Il peut avoir des armes avec des trucs super stylés. Comme là, vous voyez que Hex, il a son démon qui le suit avec Ouais, sa mon chaîne de feu. démon! Et chaque arme a son affixe. Vous pouvez avoir. Moi, je sais que je suis tombé sur l'arme du boucher. Du coup, avec cette arme, je faisais des cris de boucher. J'ai un collègue qui est tombé sur une arme qui crie. Vous avez plein de trucs comme ça. Après, ça, c'est vraiment les stats rigolotes. Sur la mienne, par exemple, ça Pourquoi proc. est-ce qu'on fait ça, mec? Parce que là, on doit aller dans le En fait, il faut chercher. scavenger En fait, là, dans les bounties, il vous demande à faire des de. missions. Ouais, on nous donne des petits objectifs, que ce C'est ça. soit. En général, c'est souvent aller taper un boss ou alors nettoyer toute une zone, C'est ce ça. genre de choses. Du coup, on va essayer de chercher l'objectif. Nous, ce qu'on fait quand on fait des bounties avec les collègues, c'est souvent on se sépare un petit peu histoire de trouver la zone le plus rapidement possible. Et dès qu'on a trouvé la zone, après, on se rejoint tous. Petite nouveauté aussi, on peut se téléporter directement via le player. Oula, putain, je prends cher. C'est juste à gauche là, c'est bon, j'ai trouvé, mec. Attends, je tape le mob, ça Vas-y, fera vas-y, leveler vas-y. un peu. Donc moi c'est pas du tout mon level, ne vous affolez pas si je joue les mobs. Ouah, y a un bleu qui m'en veut. Ouah, y a un bleu qui m'en veut. Moi normalement j'ai joué en tourment 2, là je me suis en Attends. expert, c'est un petit peu. Tu t'en sors ou ça se Ouais, passe comment en j'arrive, fait? j'arrive, 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 je suis là. Ok. Non mais c'est bon, tu es bien toi, ça se passe comment? Tu es pas mal ou. Bah là, ça va, c'est. C'est Ah, mais correct. t'es vite parti, toi! Non, je suis pas parti, je suis derrière toi. Oula. Voilà par Ah, mais contre. tiens, si je meurs, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir montrer. Mais non, tu vas pas Une des. mourir, je te laisse pas mourir. Bah, si, il faudra peut-être montrer une nouveauté de la mort aussi. Ah, que tu puisses Parce que maintenant, en fait, on est plus téléporté, genre, à un certain endroit de la zone. Maintenant, ce qui se passe, c'est que. On peut revivre directement à son corps. D'ailleurs, pareil, il est en train de tout péter, là, comme d'habitude. Ça va vite là. Là en fait ce qu'on doit faire là c'est passer directement au level 2 pour tuer tous les mobs de la Ouais. zone du level 2 de la zone Too bad for you, friend. Je sais même pas si elle a dit ça. Je sais pas. apparemment, je me suis couru de chemin. Pas grave. Ouais. J'ai un cheval, moi. Un peu à Darksiders, d'ailleurs. Ça c'est vraiment stylé. Bon ça sert à rien du tout, mais c'est vraiment stylé. Bon, ça sert à rien du tout, ça permet de s'enfuir, surtout. Ce qui est dommage, c'est qu'on passe pas à travers les ennemis, je trouve. Ça dépend Donc de la voilà, rune que tu maintenant. prends, je crois. Maintenant on est. Oh! 25% de Magic Find. Ce serait pas mal ça, faire tomber là. 25% de Magic Find et je tombe sur 300 points d'or, quoi. Super! Sérieux? Vas-y, laisse-le-moi! Vas-y, Oh pardon, putain. excuse-moi. Ah bah oui, c'est vrai, en plus les mobs ils ont des nouveaux. Ouais, mais il est où là? Allez, là. Les mobs ont des nouveaux affixes aussi, hein. Oui, les mobs ont de nouveaux affixes. Je vais voir s'ils arrivent. Je vais essayer de laisser faire un petit peu. Allez, mourez! Non, je dirais qu'ils veulent pas. Ouais, c'est parce que t'es là. Ils veulent pas, ils veulent Voilà. pas. Oh, lui Moi, je tenais arrive. aussi à un petit peu parler Ah, une marquise, justement. des gemmes. C'est très important aussi de le signaler. La marquise sera la gemme la plus basse. N'hésitez pas à mettre des likes, hein, justement, des j'aime. Lol. La marquise, ça sera la. Sur Vania, c'était la gemme la plus fat qui existait. Il reste qu'un ennemi là. Ouais, il faut le chercher. Et du coup, maintenant, sur ce Vania, sur ce Reaper of Soul, dès que vous dépassez le level 61, vous avez directement la marquise qui est lootée au sol. Donc Donc. voilà, on a fini notre petit truc. Là, on a fini notre première mission. Voilà, Et on va on se retourne. téléporter directement. Moi, je vais directement. En fait, je fais tout le temps de gauche à droite, mec. Après, c'est un ordre que je me suis fait. Ah ouais, c'est vrai, toi. Moi, j'ai pris la mauvaise manie de retourner à Tristram à chaque fois. Ah non, parce que tu fais tab et tu fais clic droit en fait. Et ça te rouvre la map entièrement. Ah ben, ah putain, la fixe. Ah, Ah pas merde, j'avais grave, pas merci. vu. Oh, il y a 125 ennemis à tuer. Ouais, ça va être en D2. Ouais, avec toi, ça va être facile, hein. Mais Attends, laisse-le-moi, lui. Lui, il est à moi. vas-y, Voilà. vas-y, vise-toi, plaisir. Ouais! Ouais, Il est arrivé, je je lui ai mis tenais un à million de parler un points dans petit la peu, c'est vrai gueule. que je suis un petit peu inactif là sur la chaîne, c'est parce que je tenais à parler à de la chaîne que je viens d'ouvrir en fait, consacrée qu'à Diablo. Enfin, non, pas qu'à Diablo, mec. Ou à Ken Slash en Hack and général, s'il te Slash, c'est plaît. vrai. Je me suis un petit peu manqué. Hack and Slash en général, là c'est vrai qu'on est beaucoup consacré à Diablo.
On essaye D'ailleurs, on de. va pas tarder à retourner sur Sur. sur Marvel aussi un peu. Oui, ouais, c'est vrai, on a vu toutes les nouveautés qu'ils avaient fait sur Marvel, les ajouts de nouveaux persos et même pas mal de quêtes supplémentaires. Oh, El Maron. Y a bébé qui marronne. Ouais. Et ça, c'est un truc, franchement, voilà, je tenais à vous parler de cette chaîne. On a ouvert avec un collègue qui s'appelle le Ours de Guerre. Le nom. Le bisounours. Le poney de guerre. Le poney de guerre. Et ben voilà, on fait plein de trucs, on fait plein de tutos, plein de builds. C'est quand même le seul homme qui a un tatou bisounours sur le bras. Ah lol, comme il va rigoler quand tu vas regarder la vidéo. Et apparemment, ça fait pas fuir les femmes. Non. Si je me tatoue un pédobia sur le bras, tu crois qu'elles vont toutes venir dans mes bras? Je sais pas, si elles croient que c'est un nounours, mec, ils vont dire c'est plutôt rigolo. Ah bah tiens, on a eu justement un bonus là qui s'appelle le Rift Keystone. Justement, en parlant des modes aventure, ça peut, ouais. peut parler du Rift Keystone en gros. Ouais, je pensais qu'on allait en parler plus tard, mais ouais, si tu veux, vas-y, y'a pas de problème. Bon, attends, t'es où là? Là, j'ai détruit tous les mobs, là, je t'attendais un petit peu. Le Rift Keystone, c'est ouais, bah, c'est la clé du Rift en fait, c'est une clé pour ouvrir une faille. Attends, mais on va où? On va où, mec? Là, directement. Bah, si tu veux, on va direct tuer l'araignée. La tout en bas à droite. Cavernofa. Ara. Queen Area, ou je me rappelle plus le nom de la dame. Ok, go. Ah, mais j'avais même pas vu qu'en fait ça t'affichait ton petit icône quand t'étais sur le truc. Oui, ouais, ça aussi, ouais. Donc si vous cherchez un ami sur la carte, vous savez que directement il est ici. Et s'il n'y a pas d'amis sur la carte, ça veut dire que vous n'avez pas d'amis. Si vous n'avez pas d'amis. cette zone, putain, par contre, elle me fait un petit peu chier cette zone. Ah, alors, nouveauté ah, aussi. Un event. Ouais, nouvelle ah, event. Ah, les coffres. Vas-y, je te l'explique. On va voir, j'espère que c'est celui que je kiffe. C'est les coffres maudits, les cursed. Ouais, c'est ceux-là que je kiffe. Donc là, je te dis, mec, juste tu restes au milieu. Voilà, envoie tes marteaux, fais que ça, mec. Fais que ça en boucle. Ouais, je sais, mais de toute façon, c'est ce que je fais parce que vous voyez, en fait, il y a un objectif bonus, c'est-à-dire que si on tue 100 ennemis avant la fin du temps restant, eh ben on aura un bonus, hein. Un petit bonus sympathique. En général, c'est deux coffres qui pop ou un truc dans le genre. C'est ça. Donc voilà, bon, je te dirais quand même d'essayer de te laisser. Des... Voilà, donc là, on les a tous tués. Maintenant, on finit le truc, vite fait, pépère, l'hamster. On essaye de faire les records, nous, à chaque fois, avec les collègues. Je crois qu'on avait fait plus de 200 mobs tués en T1, tu vois, c'est rigolo. Et en plus, j'ai presque level up, ça c'est beau. Et ça c'est beau, il va y avoir un level up en live. Et voilà, on a eu deux coffres. Ouais, 180, c'est pas mal. Et maintenant, ce sont devenus des coffres radiants. Ouais, ils ont changé, il y a pas mal de coffres qui ont changé. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de nouveautés sur le jeu, c'est juste hallucinant. Ouais, c'est surtout hallucinant le fait que ça te force limite à farmer quoi. Bah, ça donne en plus l'envie de farmer parce que tu te dis que t'es récompensé quoi. Et en plus, les le events sont franchement sympas. Moi je sais que ça fait combien de temps, ça fait combien de temps qu'on a eu l'accès? Ça doit faire 2 semaines. Hein, 2 semaines? Hop là! Moi je sais que ça fait. Je l'ai déjà soudé, hein, j'ai. Ah, je suis plein, lol. C'est normal. Maintenant, tous les items servent sur le jeu. Ça aussi, on en a pas parlé parce que ça devient, c'est normal pour nous. Si tu veux qu'on back? Non, back pas, vas-y. Tous les items servent. Les blancs aussi serviront pour faire des crafts, pour crafter des sets légendaires. GG. Yeah, niveau 66, bitches. Lol, niveau 66. Et tous les Dis-moi items serviront. Niveau 69, mec. Ouais, je sais. La dernière fois, il y a Natsu qui m'a dit, putain, je suis level 69. Si aurait eu X, il m'aurait dit, c'est le bon level, garde ce level. J'avoue. J'étais mort de rire. Ouais, c'est bien que tu commences à me connaître. Les gens. Ouais, tu commences à te connaître. Ouais, je parlais des items en fait. Les bleus, les blancs et les jaunes serviront pour le craft. Donc c'est super important de garder tous les items et de tout ramasser du coup. Ouais, c'est vrai ça. Pour le crafting. Franchement, de ce qu'on a vu sur des live streams et tout, franchement, on a vu des mecs mais qui lootent. Crafter des stuff mais de péter quoi. Ouais, non, mais c'est un truc de malade. Ah, chose à signaler aussi au niveau de l'argent, il y a plein de gens qui vont se poser la question, est-ce que je garde mon argent s'il n'y a plus d'hôtel des ventes? Et moi je vous dirais de oui, gardez votre argent parce que les crafts ils coûtent super cher. Au niveau de la transmogrification, on en a pas parlé aussi, ça coûte super ouais, cher. Mais ça c'est la transmogrification, la transmogrification, ce qui coûte le plus cher, c'est surtout les objets de haut niveau quoi. Oui, mais quand tu transmogrifies pas quand quand tu enchantes, tu peux passer facilement en fait si tu passes d'un enchantement tu essaies d'avoir une stat et tu tapes 10 fois la stat, tu peux passer de 50 000 à 200, 300, 400 000 donc ça va super vite. Ça va super vite, il suffit que vous fassiez ça sur chaque item de votre stuff et C'est moi. Vas-y, je tape pas si tu veux. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal.
C'est le mais pattern. reviens! À chaque fois, elle fait ça. Ouais, mais elle a pas eu trop de vie. Eh, hey, je me dis quand même du 600 000 dégâts. Hein. C'est vrai? On l'OS ou pas? Vas-y, finish-la. Et voilà, encore une clé de rift. Yep, c'est super important, ça va être super ah, important. Ah, on a aussi des shards parce qu'on n'en a pas parlé des shards. Les blue shards? Ouais. Ouais, mais je compte en parler aussi à la fin du rift. Non, de toute façon, je retourne en ville parce que là, faut quand même. T'es plein? Ouais, je suis un peu plein. Là. Vas-y, je vais aller en ville avec toi alors. La carte aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la carte est nouvelle. Ouais, c'est vrai. Sur le mode histoire, elle restera la même, mais sur le mode aventure, la carte a changé. Donc moi personnellement j'ai trop d'items pour crafter donc je dés un petit peu les items, je les vends sans regarder les stats dessus parce que à mon niveau là je suis presque à 1 million de DPS, je pense pas qu'en expert je trouve quelque chose qui m'up, même si des fois de temps en temps vous pouvez trouver des trucs sympas. Ah, quelque chose que je voulais te parler aussi, c'est vrai qu'on a parlé un peu de craft, vous avez des nouveaux objets. Je vais essayer de tous te les looter, c'est ceux que j'ai trouvé pour le moment. Ça s'appelle des artefacts. Tiens, je te les ai mis sur le chat. En fait, ces artefacts vous servent à crafter des objets de set si vous en aurez besoin. Putain, wow. t'en as mis là. Ouais, c'est tout ce que j'ai eu pour le moment. Là. Lol, carrément. Et ces artefacts vous servent pour crafter des sets légendaires. Donc, chaque artefact sert pour un légendaire, pour une pièce de set. Qui demande 2, 4, 6 compos. Donc voilà la paire blanche, en fait, la botte blanche que je vous disais tout à l'heure de récupérer. D'ailleurs, nouveauté aussi, un quatrième coffre où je stocke moi tous mes items blancs. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas montré le quatrième coffre. Ouais. Attends, parce que là j'ai trop de gemmes sur moi. Là. Vas-y. Je stocke tous mes items blancs en fait pour faire ces fameux crafts légendaires. Et donc il y a vraiment encore, je vous le dis, encore beaucoup de nouveautés sur les affixes sur le stuff et juste à. Ah, on l'a pas dit aussi, maintenant on n'est plus obligé d'avoir équipé les objets, tu vois, genre les objets de craft. Genre si vous voulez crafter un truc, et bah là vous voyez bien que ces objets là, bah, je les ai pas sur moi, elles sont dans mon coffre, et bah maintenant on peut quand même crafter même ces objets. Directement sont dans le via, ouais, bien sûr, s'ils sont dans le coffre. Ouais. Ce qui était sympa. Comment bien facilité. Aussi le Uber. Les Uber ont changé pour toutes les personnes qui connaissent les Uber. Pour crafter l'anneau des flammes, vous avez le Uber au level 70, donc un Uber totalement différent avec des boss de ouf, c'est vraiment un truc de malade. Ou sinon, au niveau des gemmes, tu utilises à toutes les gemmes ou pas? Non, pas du tout, toi. Bah, j'ai des impériales et j'ai des marquises, quoi. D'accord, moi je sais que je les ai toutes, donc ça commence à partir de, par exemple, je vais partir sur l'intelligence, vous pouvez EP ben, la marquise qui était le plus OP sur Vanilla, vous passez directement ensuite à 100 d'intelligence, la troisième marquise, la troisième ça 160, la Royal Topaz sera 220 d'intelligence et la maximum sera 280. Donc on passe de 62 à 280 d'intelligence sur les stats, c'est vraiment un truc de fou. Quoi. Comme ma vite. Eh bien on va vite finir ça. Allez, moi je retourne. Là tu pars chez là-bas. Bah, c'est bien en plus, c'est juste. Tu arriveras, tu crois, tu penses à le faire tout seul là-bas ou pas? Parce que un point positif et négatif, après c'est vous verrez comment vous le sentez. Vous pouvez faire chacun votre bout de cheat à votre côté. Ouais, pour farmer plus vite. Pour farmer plus vite, nous ce qu'on fait de temps en temps pour avoir plus de coffres, on essaye de faire ça. Bon, maintenant il faut trouver aussi l'endroit. Tu me dis si tu t'en sors pas, mec, j'arrive de suite. Entrer dans la cave. Non, ça devrait aller, je pense. En plus, c'est juste un truc où est-ce que je. Putain, le grotesque, il est en caisse! Il est gros, c'est normal. Donc, le croisé qui est un tank. Ouais, mais bizarrement, dans les astuces, ils disent quand même que le croisé encaisse moins bien qu'un barbare et un moine. Quoi. Bah, en fait, ça dépend de comment tu le stuff, mais c'est vrai que moi, en fait, le croisé, quand j'ai regardé un petit peu les builds de dessus, ça se joue beaucoup sur le blocage en fait. Et, au niveau des renvois de dégâts et tout. Après, je sais pas comment les gens ils vont le jouer. Ah, ça on peut pas le savoir, ouais. Pas que le jeu n'est pas encore sorti. Ben, il va y avoir des modifications prochainement. Ouais, c'est vrai, on essaye un petit peu de faire des choses. C'est pour ça, putain, c'est vrai que. Oh mec, j'ai parlé de la chaîne et j'ai basculé sur autre chose, je me rappelais même plus quoi. C'est pour ça que je vous disais que j'ai ouvert une chaîne consacrée à Diablo sur les builds, sur les tutos, sur les astuces, sur plein de choses. Donc si ça intéresse du monde, de toute façon, je mettrai tout dans la description. On a ouvert ça il y a un peu plus d'un mois. Et l'air de rien, il y a de la demande. Ouais, il y a de la demande et en plus il y a pas des masses de français justement sur tout ce qui touche l'univers hack and slash. Non, pas énormément non. Donc si vous kiffez le hack and slash, ben n'hésitez pas à aller faire un petit tour et faites un poutou sur les fesses de ours de ma part.
Il sera très Je heureux. lui dirai, je lui dirai. J'arrive pas à trouver la zone. Ah, ça y est. Par contre, pas mal de bouchi peut être quand même assez long. Dans le sens où il faut quand même vous chercher la zone. Vous pouvez passer un petit peu de temps dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au bout de 5 ou 10 minutes. Ouais, le jeu dit hey, putain, mec, t'es un noob. Voilà. Au bout de 5 ou 10 minutes, vous avez une flèche qui vous indique si vous trouvez pas l'endroit. Parce qu'il faut pas non plus passer 3 heures sur un bouchi. Vous indique la direction où il faut vous rendre. Où il faut aller. Et là, je vois certains qui vont dire Casu! Casu! Bah, casu, c'est bien. Et, moi, je trouve que c'est bien. Moi. Oh merde, il y avait un bleu juste à côté, je l'ai ignoré, mec. J'ai fait non, on se battra pas aujourd'hui, mec. Là, je cherche Kankerot. Oh merde, putain, bon. Bon, bah, lui, je vais pas trop avoir le choix, je pense. Les nouveaux levels aussi, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Avant, c'était le mode normal, cauchemar, expert et. Je t'avoue, je prends cher quand même. Hein. C'est vrai? Je vais arriver, je vais pas tarder, là, j'ai bientôt fini, je pense. Là, c'est vrai que ça a totalement changé. Et un nouveau level, quoi, un nouveau. Niveau de difficulté qui s'est ajouté. Ah, mais arrête de me fier, bâtard! C'est le tourment. Donc, tourment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour vous faire juste un petit peu une idée, le Asmodan en T6, en level le plus dur du jeu, à 40 milliards de vie. Oh, ouais, remarque, j'aurais peut-être pas besoin de toi finalement. C'est vrai? Je sais pas si tu vois ce que ça fait, toi, un peu, ex. Ah, si, non, je suis mort. Ah, je suis mort. Sérieux? Voilà. Ouais, mais ils avaient le lien de feu et plus le fear, c'était ignoble quoi. Donc voilà, on va vous montrer au passage la mort. Le revive Hard Corpse. Non, mais tu te fous de ma gueule! Il se fout de ma gueule, l'élite, sérieux. Wouah, mais ah! Vas-y, stop me fear là! Vilaine, va. Il va où mon monstre? Mec, tu sais quoi? On a parlé de tout, mais on a même pas parlé que tu pouvais monter jusqu'au level 110, hein, parce que pour nous c'est normal, pour moi c'est normal. Ah bah oui. Pour moi c'est normal, c'est le nouveau level, hein. On oublie pas mal de trucs. Le level 70 maintenant, ou alors vous avez G level en plus. Qui dit G level en plus dit pas mal d'ajouts de DPS et de compétences aussi au niveau des runes, des passifs, etc. Par exemple, moi je sais que le level pratiquement max qu'on pouvait retrouver sur le jeu, c'était presque 100k de vie minimum. Là, on se retrouve qu'on dépasse largement les 500, 600, 700k de vie. Pareil pour au niveau DPS. Je sais qu'il y en a qui arrivent un buff sur Vanilla, il y en a qui arrivaient à 400 ou 500 DPS et c'était des gros monstres. Là, moi je suis presque à 1 million de DPS et j'ai l'impression qu'on peut quand même encore bien augmenter dans le jeu. Je vais me taper sur toi, comme ça je vais voir ce que tu fais. Ah, il y a un coffre justement. J'arrive. En 5 secondes, je suis là. Donc, pas mal de choses différentes à ajouter. Je vous ai dit, je donnerai un peu toutes les explications sur la chaîne, sur la Kenslash. Donc, tu es où là? Je suis là. D'accord, il te manque juste à tuer le boss en fait là. Non, non. Si, ouais, si. Allez, viens, il y a le coffre ici. Je te suis. Eh bien, poulette. Les 100 mobs, ça fait plaisir. J'ai un petit vortex. Le nouvel ajout du féticheur. C'était des pop sans nom quoi. Je les aime pas trop celle-là. Je vais mettre un truc. Je vais voir si ça marche. Faudrait qu'il y ait des élites, ça serait. Ah, bah voilà, justement. Voilà, il nous a indiqué sur la carte où est-ce qu'il fallait aller. Il ne reste plus que ce petit vilain à péter là. Je te laisse le battre. Oh. Mais... C'est moi, honnêtement, je vais mettre deux coups. Vas-y, Ex, vas-y. Je te vortex un peu. Oh putain, oh, la scie, ça fait mal. Ok. Non, mais j'allais me le faire, putain. Je peux pas m'empêcher, mec. Tu peux pas t'empêcher de me troller, c'est ça? Ah, je peux pas m'empêcher de taper en fait. Ah, bah voilà, bah maintenant on a eu le cadeau. Donc là, on a fini la zone. Vous avez vu qu'on a les 5 Bunchi de terminer, quoi, les 5 missions. On va directement se rendre en ville, au quartier. Et on va parler à notre ami Tyrael. C'est ça. Vas-y. Salut copain. Allez, donne-moi le truc. Et voici le Bunchi qui est apparu dans le sac directement, donc vous pouvez l'ouvrir ou soit vous le stockez, ça sert à rien. Nous on essaie de le faire deux par deux, mais après voilà, vous faites clic droit dessus. Et après, je vais montrer moi. Ouais. T'es même chez légendaire. Tada.
Eh ben non. Pas de légendaire. Je pense qu'en fin de vidéo, je montrerai moi, parce qu'en fait, je me suis rempli le coffre entièrement rempli de bounties, et je montrerai en vidéo, je ferai un petit clin d'œil, qu'est-ce que ça fait d'ouvrir tous les coffres d'un coup en fait. C'est-à-dire un coffre entier, il y a 30 ou 35 places. Moi, je te propose d'aller faire un rift vite fait. Ouais, et on va terminer sur le rift. Alors le rift, c'est une faille qui d'ailleurs, on a gagné les clés depuis tout à l'heure, on gagnait des clés de rift. C'est celle qu'on gagne à chaque fin de mission. Il en faut 5 pour ouvrir la faille. Et en fait, dans la faille, vous avez un mode qui est aléatoire. C'est une map qui est aléatoire, avec des mobs aléatoires dedans. Donc ça se génère à chaque fois. Par contre, j'ai l'impression que mon jeu a freeze, mec. Moi, ça charge. Non, c'est bon. Donc le Oh. rift, qu'est-ce que tu dois faire, ex, dans le rift? Tout nettoyer, tuer tout le monde, bitches! Voilà, c'est ça. C'est vraiment du bashing pur et dur là. C'est vous avancez, vous tapez tout le monde. Vous avez une barre juste à droite qui vous montre le niveau de. Ouais, le pourcentage d'avancement dans votre quête. C'est ça. Et dès que vous arrivez à 100%, vous avez un boss qui Bon, pop par et. contre, fais pas ton noob comme la dernière fois, s'il te plaît, commence pas à partir partout. À moi? Ah, mais je suis tout le temps ça. Hein. J'adore tes petits mobs avec leur couteau là. Les petits fétiches, ouais, c'est la fixe que j'ai sur mon casque. Hein. Si je tue deux élites, j'ai des petits mobs, des petits féticheurs qui apparaissent. Oh putain, ça pète hein. Mais ils sont là, regarde. Tu es dedans là? Tu fais partie des 5 là? Ah putain. Qu'est-ce que tu fais? Ah, y'a Bah eux, tue des putain. mobs. C'est un peu le but du jeu, tuer des mobs quoi. Je comprenais pas où tu étais parti en fait là. C'est Par vrai que la contre c'est Maximus, poche. la fixe de la Maximus, il est vraiment énorme. C'est l'arme Ma qu'a bite. Ex. Franchement, plutôt rigolo. J'avais déjà En vu un plus elle est moine jouer belle, avec. regardez, attendez, je vous la montre. Ah oh ouais, elle est sexy hein. Elle est sexy hein. Non, franchement, elle est. Oh mais putain, mais il a tué tous les élites avant que j'arrive. Je t'ai dit, mec, je joue en T2 facile. Donc là, en expert, je les fonds quoi. Je vais te laisser passer devant parce que sinon, mec, ça va être. Un truc boucherie. Le boss final, je crois qu'on va rigoler. Ouais, regarde, tu fais partie des 5 là. Je sais pas si tu te vois dans les petits fétiches là. Hein? T'es celui avec le canif là. C'est le mec, le troll. Je Bâtard. leur ai tous donné un nom en fait. Il y a Ours, Rico, il y a Natsu. Il donne des noms, Les petits fétiches. c'est monstre, putain, il est Non, sérieux. c'était un peu un délire la fois sur le stream. Allez, à mort! Donc j'aimerais bien qu'on arrive à la fin de la map pour vous montrer que tout est looté aléatoirement quoi, que tout est généré aléatoirement. D'ailleurs, on a trouvé que c'était mieux généré que dans le WoWaniax, genre. Désolé. Une mauvaise production Blizzard. Ah, t'as le mot animaté. Enfin, moi, je trouvais que c'était. Ouf! Ah, putain, avec tout ça, j'arrive plus à parler, quoi. De focus, tu le focus. C'était mieux, ouais, j'avoue que c'était mieux. Et puis même au niveau des maps, les ambiances et tout, il y a tout qui change. Mais pour te dire, moi je suis tombé une fois sur cette map, mais dedans il y avait les ours du monde des poneys. C'était pas. Bah non, pourquoi tu dis les ours du monde du poney alors? Les bisounours. Les ours du monde du poney. Ouais, C'est il y a pas des très. petits ours. Ouais, des petits ours, mais. Oups. Là, Ah, dans le cimetière. on est dans une D'ailleurs, scène. c'est une des zones de. De l'acte 5, quoi. De l'acte 5, ouais. L'acte 5, on ne vous montrera pas pour éviter tout spoiling involontaire. Là, c'est pas de notre faute si on arrive dans cette zone. Je vous ai dit, tout est généré. Complètement aléatoirius. Par contre, vous trouverez pas ces mobs dans cette zone, hein, faut le dire. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, ils verront pas les monstres. Suis gelé! Ça, c'est Je les mobs qui sont dans meurs! l'acte 3, je crois, si tu dis pas de bêtises. Il y a tout qui est mélangé en fait. Tu es où là? T'es derrière moi. Ok. Des mobs, moi. Vas-y, vas-y. Tu sais que tu laisses derrière. Parce que toi, t'as les mecs qui demandent qu'à mourir et toi, tu les laisses en vie, quoi. T'es vraiment dégueulasse comme mec, hein. Allez, mourez tous. Putain, c'est tellement bourrin, hein, sérieux. Ah, Là, y franchement, a... c'est. Là, on va avoir besoin d'aide parce que là, j'ai un peu des bleus sur la Ah ouais? gueule. Vas-y, j'arrive. Mais il me fire ce chat là. Allez, vas-y, y'a glace en plus. T'es pas mort, tu tiens. Voilà, c'est Ouais. nickel. Bah, tu tiens, Ouais, mais. mec. Je
dois courir quoi. C'est bon, t'inquiète, y'a plus personne. Si, y'a encore un ici là. Tu peux sortir de ta cachette. Ta gueule, bâtard. Oh putain, je crois qu'à un moment j'avais mis 1 million de dégâts là, j'étais trop fier. C'est possible, hein, tu peux faire des coups critiques à 1 million. Hein. Bah, avec mon moine, enfin non, avec mon guerrier, je mettais des coups critiques à 1 million hein, sur Vanilla, mec. Hein. Ouais, c'est plus que possible, mais moi, à la base. Bon, on est à 98% là. Ouais, il va bien. Et y'a un goblish, y'a un goblish. Il est où? Juste ici. Voilà. Notre ami est en train d'arriver. Donc, vu que la map a changé de couleur et tout. Ouais. Ah putain, le gobelin. Oh non, il s'est mis. Oh putain, c'est le garde-bouffe. C'est le garde-bouffe. Ah, c'est Gomme. Ah, c'est bon, j'ai eu le gobelin. Allez, vas-y, on va tuer Gomme. Donc, dis-moi combien de secondes. Ça s'appelle Voracity là. Bien, c'est... Ouais, c'est vrai. Combien de secondes il va durer Voracity Même pas un petit légendaire. Non. Moi non plus, j'ai rien du tout. J'ai même pas eu de Forgotten Soul ou quoi. Pff, j'ai rien. My bag is full. Est-ce que je les ai pris? Oh merde, putain, y'en a... Qu'est-ce que tu as eu? Ah si, je... si. J'avais oublié que le. C'est bizarre. Ah oui, non, mais laisse tout le temps sa nuage d'acide. Quand tu gommes, en général, son poison il nous tue plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, il le laisse. C'est vrai, ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire. Donc, moi, j'ai eu le Forgotten. Merci, hein, je suis mort par ta faute. Tu l'as pas eu, toi, celui-là? De quoi? Ce que je t'ai looté en fait, le Forgotten Soul, c'est un item. En fait, c'est dès que tu dés, dès que tu désenchantes, tu casses un légendaire, ça te donne cet item. Et qui servira en fait pour enchanter tes items. Comment on est supposé prendre le loot là? Bah ouais, mais tu peux pas le prendre en fait. Bah si, mais je vais mourir. Ah bah oui, c'est vrai que tu as pas trop de vie, c'est pour ça. Tu peux pas le prendre pour moi? Non, je peux pas. Donc, ce qui a été looté aussi sur le mob, c'est souvent il te loot du Forgotten Soul, donc je vous ai dit l'outil pour crafter. Ou sinon, des légendaires, bien évidemment. Et le plus important, c'est cette nouvelle monnaie qui s'appelle les Butchards. Donc, les Butchards, qu'est-ce qu'on va faire avec le Butchard? Je vais vous montrer ça tout de suite. Tu es parti, c'est bon, non, mec, hein. Tu peux tout prendre. Ouais, c'est pour ça que j'attendais. Donc, dès que la map est terminée, dès que vous avez tué le boss final, vous pouvez retourner en ville. Fermer la faille et enfermer Axe dedans. Quoi? Non, non, c'est pas possible. Encore là, c'est pas possible. Non, par contre, voilà, j'ai fermé la faille, hein. J'espère que t'as pris tout ton loot. Voilà, donc ils vous disent dans 30 secondes la faille se ferme. GG, t'as fait. J'ai eu un au fait. T'as fait le petit au fait. Donc dans 20 secondes, la faille va se fermer et après vous pouvez retourner dedans quand vous voulez, tant que vous avez des clés. Run of time. Finissez. Ah, un rift. En 2 minutes, c'est possible ça? T'es sérieux, on l'a fini en 2 minutes? Non, 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 on l'a fait en combien? Je pense pas qu'on l'ait fait en 2 minutes. Non, on l'a fini en 10 minutes. Oh, t'as assez vite chez Dieu, mec. C'est... Non, le rift! Et en fait, dès que la faille se ferme, vous pouvez la relancer tant que vous voulez. Donc, les Butchards, ça sert à quoi? Vous avez un nouveau PNJ qui s'appelle Kadala. C'est cette femme qui est juste ici. En fait, avec les Butchards, vous pouvez acheter des items non identifiés. Tout à fait. Qui peut donner des légendaires. Et des pièces de 7. J'ai un pote qui a réussi à avoir une pièce de 7 de Talrasha dessus pour son sorcier. Donc, franchement, moi je vous conseille d'essayer de tâter un maximum. Vous voyez qu'il y a certaines pièces qui coûtent 5 Butchards, d'autres comme les amulettes ou les bagues qui coûtent 10 ou 20. Après, il faut tenter sa chance. Sachant que les Butchards, on peut les stacker jusqu'à 500 maximum. Donc, dès que vous en avez 500. 500 Ouais. Ça va vite, hein. En tourment, nous on en lâche à peu près 60-70 sur chaque rift. Je vais essayer de loot un bouclier. Il va falloir y aller, mec, hein, pour que tu aies un bouclier légendaire dessus. Ouais, ok, un bouclier légendaire. Alors, on a eu quoi? Alors, écrise le écro, augmente les dégâts de slash de 14%. La vitalité, c'est de la merde. Vitalité, résistance, all. Ouais. Déception. Déception. T'as eu ces deux bleus? Non, regarde ce que j'ai eu. J'ai eu ça. Ouais. Ça. Avec tes Butchards? Ouais. Bah, c'est bizarre, mec, parce que là, c'est chelou. Avec tes trucs de Butchards, tu peux prendre tes items. De quoi? Bah, en fait, tout est lié, tu vois, pratiquement sur le jeu, en fait, tout est lié au compte. Et là, en fait, t'as acheté des trucs qui sont liés avec ton compte, mais je peux récupérer quand même les items. Ça, je savais pas. C'est pas les trucs liés au compte, le jaune, mec. Si tu l'équipes, oui. Tous tes items, si tu les équipes, qu'ils soient bleus, jaunes, verts ou tout ce que tu veux, mec, après. Sûr de ça? Oui, sûr de ça.
Équipe ton item, tu vas me lâcher au sol, je pourrais pas le récupérer. Voilà, je l'ai équipé. Ouais. Je lance au sol. Ah si, t'as pris lequel là? Et bah, j'avais pris un des boucliers. C'est Non, bizarre. non, en fait, je Non. crois que le lien, c'est uniquement quand Ah, tu transmogrifies. Tu Ouais. transmogrifies, Exact. quand tu l'enchantes, ou alors que ça soit un légendaire. C'est ça. Putain, je suis à plus de 100 heures sur la bêta déjà et j'avais complètement zappé ce. Tiens, Hadouken! Bon, je Hadouken! pense qu'on a fait un petit peu tout le tour Ouais, on a fait un petit peu tout le sur le mode tour. aventure. Après, je vous ai dit, à part pour les Uberboss, vous avez des nouvelles clés. Mais je vous ai dit, pour plus d'informations sur le nouveau personnage et tout, Attends, on fera j'ai des trucs remarqué quelque tranquilles. chose. On fera des vidéos. Moi, je pense que sur Hack and Slash, je vais Mais faire vraiment sinon, tout le je truc vais détaillé, juste vous quoi. dire un truc, je suis le seul mec à avoir un personnage qui a un nom pareil. Ah putain, tu vas le prendre? Moi, je vais pas le voir le nom, mais tu me l'as déjà dit tout à l'heure, donc je sais. Comme ma bite! Tu l'as rencontré? Tu es fou. Bien ma petite moniale, elle est jolie. Ah bah d'ailleurs mon croisé est au même niveau que ma moniale maintenant. Et on n'a pas montré un truc aussi. Moi c'est bon, j'ai l'activé. Si vous prenez l'édition collector, en plus des skins, vous avez aussi ce mini pet. Ah oui, le mini Le pet mini est pet tout squelettique. moche. Le mini pet squelettique Putain. à l'effigie. Fantomatique. Ouais, fantomatique. À l'effigie de la taille du zob de Paramoule. Ouais. Il y a un gros. J'arrive pas à voir sa tête à chaque fois. On dirait qu'il a une tête d'humain en fait, le squelette. Il est Ouais, ou chelou, tête hein. de chien. Tu es là, toi? Non, tu. Il est vraiment bizarre. Ah, il est moche surtout. J'essaie de voir sa tête, moi, à chaque fois, j'arrive pas. Bon, c'est vrai que la mienne aussi. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi nos ailes qu'on a dans le dos, là c'est parce qu'on a acheté les éditions collector de StarCraft 2, Heart of the Swarm. Out of this world. Et donc vous avez ce mini pet en plus, ouais, des ailes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Lol, ça fait c'est ridicule, mec, je te jure. J'avoue, j'aurais pu foutre des ailes, sérieusement. J'avoue, franchement, ce petit pet mort de Il rire. est minable comparé aux ailes du collector de Diablo 3, quoi. Moi, sérieusement, je le laisse dans le coffre, je le touche pas en fait. Hop, je l'enlève, je le laisse dans le coffre. Je verrai des fois de temps en temps faire un petit peu kikou. Donc de toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser en commentaire si on peut répondre à vos questions, y'a pas de Ouais, souci. pourquoi est-ce que je l'ai déséquipé et qu'il est encore là, ce con? Non, en fait, il faudrait que dès que tu es pas dans le coffre, tu fais un clic droit dessus et après tu le remets dans le coffre. N'essaie pas de le tuer, ça marche pas. Meurs! Essaie de tuer son pet. Putain, il esquive trop bien ce bâtard! Tu m'étonnes. Comme je rigole s'il te pisse sur la jambe. Bon, allez, vas-y. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour Voilà, du on mode va aventure pour s'arrêter le moment. ici. Ouais. Je pense qu'on refera peut-être une vidéo plus tard si j'ai le stuff pour pouvoir tenir en mode torment, hein. Ouais, je pense que c'est faisable, mec. Il suffit que tu montes 70, après on va je t'emmène en tourment 1 ou 2 et t'inquiète. Enfin bon, vous avez vu, hein. Maintenant vos persos auront enfin la classe avec la transmogrification. J'avoue. Merde, j'ai ouvert un rift. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai Non. payé un rift pour rien, mais bon. J'en ai 300 qui traînent dans le coffre de côté, donc. Ah, c'est vraiment pour dire à quel point pareil farm quoi. Ouais. Bon allez loulou, sur ce, on va se laisser ici. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la nouvelle chaîne de Para Hack and Slash, hein, si vous êtes fan de Diablo ou Hack and Slash en tout genre, hein. Et si vous voulez lui apporter son soutien pour l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, hein. Uniquement si vous aimez, hein. Bien sûr. Si vous aimez pas, bah donnez votre adresse et Para viendra vous casser les jambes, y a pas de Non, mais c'est problème. juste pour découvrir les jeux, les hack and slash. Et je pense que X, il saura beaucoup sur. Que ça soit sur Diablo, sur Let's Play déjà, je pense qu'on fera ensemble. Et sur Marvel Heroes, etc. Pas mal de jeux, quoi. Marvel Hero, j'aimerais bien y refaire un tour, hein. Ouais. Avec mon Ghost Rider. Oh putain. Bon, allez, sur ce, poutou partout, amour et volupté. Non, qu'est-ce que je raconte? Prenez soin de vous, pour ça, Rock'n'Roll, n'oubliez pas d'avoir là. Oui, attitude, et comme d'habitude, être des pots au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce dicton, je vous laisse, je fais plein de poutou partout. Et ben voilà, sur ce, prenez soin de vous, para, mot de la fin. Peace. Putain, ça c'est pas mot de la fin. Allez, ciao, ciao. Peace.